What's up tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça plutôt bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une customisation tous ensemble de la nouvelle Benefactor Stinger GT pour la faire ressortir avec une couleur originale qui mettra en valeur son aspect qui n'est pas commun à toutes les voitures de GTA. Juste avant de passer à la customisation, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo où j'aurai certainement passé déjà beaucoup de temps après le montage de celle-ci, ainsi que de me dire si oui ou non vous aimez cette couleur qui m'a été proposée par un abonné. Gros merci à lui au passage. Et si vous avez des couleurs que vous aimeriez voir dans ma prochaine vidéo, envoyez-moi un message sur Facebook ou envoyez-moi un petit tweet, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour les personnes intéressées par la best customization, petit accent anglais, de la Pegasi Osiris, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui est déjà à plus de 1400 vues en 15 heures, c'est juste énorme, merci à tous. Encore une fois, on ne s'attardera pas sur les caractéristiques techniques du véhicule, vous mettez tout au maximum selon vos moyens financiers, et on va tout de suite passer à l'esthétique de la voiture. Le but étant vraiment de mettre les formes de la voiture le plus en avant possible, on va tout d'abord mettre un pare-choc arrière lissé, des échappements de course qui sont vraiment classe. Au niveau des calandres, on va pencher vers le format des 4 phares de rallye pour que ça fasse vraiment bien rétro. On laisse le capot de série de base et on met des phares aux xénon. Pour ma part, j'ai même rajouté des arceaux de sécurité et modifications rallye pour vraiment lui donner un style de voiture de course. Et concernant les roues, on optera pour des jantes de série S-Racer comme pour la Osiris. Et on met également des fenêtres de limousine. Et une fois ça fait, il ne nous reste plus qu'à mettre la peinture en œuvre. On va aller dans les couleurs principales métallisées et on met un très beau rouge flamme que l'on va surmonter d'un jaune racing nacré, toujours dans les couleurs principales. Concernant les secondaires, on va garder un rouge flamme métallisé pour bien assortir le tout sur tout l'ensemble du véhicule. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez encore une fois un gros pouce bleu pour m'aider à atteindre l'objectif des 50 likes sur chacune des vidéos qui me tient vraiment à cœur. N'oubliez pas de me donner votre avis sur cette couleur dans les commentaires et pourquoi pas me faire vos recommandations par les réseaux sociaux pour une prochaine couleur dans une prochaine vidéo. Et bien évidemment, pour suivre la suite de mon aventure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao les gamers.